Aïkoum, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler du mensonge et de ses conséquences. Qu'est-ce que le mensonge ? C'est le fait de dire une chose contraire à la réalité, délibérément, c'est-à-dire en sachant que l'information énoncée est fausse. Le mensonge fait partie des péchés de la langue, et cela est interdit, même si c'est pour plaisanter. Le mensonge est interdit, que ce soit en étant sérieux ou en plaisantant. Le messager de Dieu a dit, ce qui a pour sens, le mensonge n'est permis ni en étant sérieux ni en plaisantant. Rapporté par Al-Bayhaqi. Le messager de Dieu a également dit au sujet du mensonge, ce qui a pour sens, prends garde au mensonge. En effet, le mensonge mène à faire des grands péchés, et les grands péchés mènent en enfer. L'homme ne cesse de mentir et de chercher à mentir jusqu'à qu'il soit inscrit selon le jugement d'Allah comme menteur. Rapporté par Ibn Majah. Le mensonge est donc un acte grave. Il est une obligation pour un musulman de se garder de ce péché, pour ne pas se mettre en péril. S'il parle à quelqu'un, qu'il soit véridique à ce qu'il dit ou bien qu'il se taise, car la véracité fait partie des attributs des vertueux. Ainsi que certaines personnes appellent mensonge blanc ou poisson d'avril, cela est interdit dans la loi de l'islam. Que Allah nous préserve du mensonge et qu'il fasse que nous soyons véridiques, inshallah. بارك الله فيكم وسلام عليكم أين توين رحيم أين توين